7h59, on est là, on est en direct sur Énergie, c'est vendredi ce matin. J'adore, je connais les paroles par cœur. Il y a Soul King et Dadju qui arrivent dans un instant avec Ava Max sur Énergie, tous les hits numéro 1. It's music only, Énergie. Et ça, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil se montre généreux ce matin sur Monaco et toute la Côte d'Azur, mais ça risque de ne pas durer. Il sera souvent chahuté par des nuages. Ils pourront donner quelques gouttes sur Menton, voire des orages dans les terres cet après-midi. Ce sera un peu pareil demain avant le retour du beau, au moins pour le littoral dimanche. 29 degrés au max ce vendredi. Ce sera dès la semaine prochaine, finalement. Le port du masque deviendra obligatoire en France dans les lieux publics clos. On saura lesquels précisément lundi ou mardi, même si on imagine déjà que les magasins et les centres commerciaux seront concernés. Le gouvernement décide d'aller plus vite que prévu pour imposer le masque car le coronavirus circule à nouveau en France. En cette période de vacances, pas évident de s'évader très loin cette année compte tenu de l'actu. Mais le musée océanographique de Monaco vous invite pourtant au voyage à partir de demain avec sa nouvelle exposition Immersion dans la salle des baleines. Vous vous retrouvez comme en plongée au large de l'Australie, dans la barrière de corail, à voir évoluer les différentes espèces et même interagir avec elles. Eva Muller au service expo du musée. Elles s'approcheront de vous et selon votre comportement, voilà, il se passera des choses différentes. Donc les visiteurs verront jamais deux fois la même chose puisqu'il y a tout un code informatique qui lie les espèces les unes aux autres. Selon votre action, ça entraînera un comportement particulier. Et les espèces entre elles aussi interagissent. Donc vous allez arriver, le requin tapis qui est au sol aura peur, il va partir sur le côté. Ou vous allez déranger peut-être une tortue qui croisera des méduses, qui mangera les méduses en passant. La baleine va arriver avec son baleineau, il va être assez curieux, il va venir vous voir et selon votre comportement, soit il va fuir, soit il va vous faire un petit coucou. Et vous êtes entouré de 650 mètres carrés de projection des pieds jusqu'à 9 mètres de haut. 40 vidéoprojecteurs s'occupent donc de vous mettre en immersion totale comme si vous y étiez et c'est à découvrir dès demain, tout l'été et même jusqu'à fin 2021 au musée océanographique de Monaco. Du sport et en basket, la Roca Team connaît depuis hier le calendrier élite. Rendez-vous le 26 septembre pour le premier match. Ce sera une rencontre à l'extérieur pour nos joueurs à Boulazac. Et dans l'effectif, on pourra compter sur la présence de Gigi O'Brien. L'Américain de 28 ans et 2m01 a confirmé hier qu'il restait à Monaco. Il y a quelques jours, c'est le capitaine d'Iboost qui lui aussi avait signé à nouveau pour une saison de plus sur le Rocher. Du côté de l'AS Monaco Foot, un premier match préparatoire à quasi un mois de la reprise de la Ligue 1. Les Rouges et Blancs jouent ce vendredi à 18h30 face au Cercle Bruges. Puis un mot de Formule 1, après deux semaines très contrastées en Autriche pour le monégasque Charles Leclerc, c'est dimanche en Hongrie qu'on le retrouvera avec sa Ferrari. Voilà pour vos infos sur Énergie Monaco Menton. Je vous retrouve avec grand plaisir le 17 août. D'ici là, bel été et belles vacances à vous.